Elle est scénographe de formation, docteur en sciences culturelles, spécialité théâtre, et maître assistante en théâtre et art de spectacle à l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse en Tunisie. Oui. Voilà, on va vous écouter. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie pour cette occasion. On se rencontre pour ma part pour la deuxième fois à Bordeaux. Je remercie Armand et tous les organisateurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du théâtre tunisien entre aventure, méfiance et innovation à travers l'expérience de Tawfiq Jbeli. Le théâtre, en tant que forme spectaculaire née dans la cité, a pu, dans une certaine mesure, dépasser les crises de tâtonnement dues essentiellement au statut du texte, à la mise en scène et à l'interprétation qui varie en fonction des évolutions idéologiques, des crises sociales et politiques, et aussi des esthétiques différentes. Depuis la fin des années 90 jusqu'à nos jours, le paysage artistique tunisien a compté des créations théâtrales diverses qui se basent essentiellement sur la multidisciplinarité et l'intermédialité, c'est-à-dire l'idée sur laquelle il y a une interaction entre plusieurs médias. En effet, on se retrouve de plus en plus face à des pièces de théâtre qui regroupe plusieurs disciplines, notamment le théâtre, la danse et même le cirque, et qui conjugue sur scène un ou plusieurs médias, comme par exemple la télévision, la vidéo digitale. Avec son rôle ludique, parfois cathartique et catalyseur aussi, le théâtre a su s'adapter à toutes les époques et à toutes les tendances. Cette disposition à l'innovation va se traduire essentiellement dans la mise en spectacle, et se concentrer sur la métamorphose donc, de l'image théâtrale, notamment avec l'introduction du petit écran, puis de la vidéo, en passant au mapping et à l'hologramme. À ce niveau, la scène théâtrale tunisienne est semblable à celle des autres pays voisins, à savoir elle est méfiante et chancelante. Dans ce qui suit, je vais présenter un état des lieux de la création théâtrale tunisienne dans ses rapports à l'intermédialité et aux nouvelles technologies à travers l'expérience de Tawfiq Jbeli. Après une période classique menée par l'enthousiasme des pionniers, caractérisée par ses techniques classiques aussi, basées sur des textes traduits ou adaptés pour la plupart, le théâtre tunisien a connu une deuxième période constituée par une pléiade d'expériences et d'artistes tels que Feu Mansouf Souissi, Jaïbi, Jbeli, Feu Gannoun, Rajab Ben Ammar aussi. Tous ces dramaturges et metteurs en scène ont essayé d'innover et d'apporter sur la scène tunisienne d'autres esthétiques et d'autres performances innovantes. Par la suite, ce théâtre assez jeune a vu la naissance d'autres expériences où acteurs et metteurs en scène ont poussé les limites de l'expression théâtrale en ayant recours à d'autres artistes de la scène, et à d'autres médias. En effet, depuis les années 2000 à nos jours, le paysage artistique tunisien a compté une multitude de créations théâtrales chorégraphiques ou de danse-théâtre où l'on peut parler d'une intermédialité qui essaie de se frayer un chemin tant bien que mal, et qui se base essentiellement sur la vidéo digitale et l'image numérique. Parmi les agitateurs de la scène donc théâtrale tunisienne, qui ne cesse de se démarquer depuis son spectacle Clem Lee, en passant par Contrix et jusqu'à nos jours, on cite l'expérience de Tawfiq Jbeli, qui ne cesse donc d'encourager l'émergence de jeunes talents en leur assurant une production et une visibilité médiatique de taille. Pour cela, il a créé donc El Teatro, qui est le premier espace d'art et de création en Tunisie, fondé en octobre 1987. Avec son esprit avant-gardiste, El Teatro est reconnu sur la scène culturelle tunisienne comme un promoteur de toute expérience artistique contemporaine, dont l'objectif est d'impulser et d'entretenir une réflexion continue sur l'art, sur l'artiste et sur le rôle au sein de la cité.
L'espace El Teatro est considéré aujourd'hui comme l'un des lieux incontournables de la culture en Tunisie et dans le monde arabe, qui offre une plateforme de rencontre pour les artistes tunisiens, arabes et méditerranéens. L'objectif étant de garantir une dynamique artistique à dimension humaine. Tawfiq Jbeli est l'un des hommes du théâtre les plus audacieux de sa génération. Homme de parole, défenseur zélé de la liberté d'expression, il apporte à ses pièces des dialogues et des piques verbales d'une suggestion et d'une allusion parfaite, comme par exemple la série qui a connu une grande envergure, Clem Lee, mise en scène, puis reproduite et refaite en 1989, qui se base sur l'humour décalé et cynique. Dans son spectacle Femme Toilée de 1993, il a adressé un portrait de famille subjective. Dans Contre X, en 1999, il a introduit au spectacle des images vivantes et l'on peut voir ici quelques extraits ou quelques photos de ses différentes pièces, différentes années. Ses options dans les deux derniers spectacles, Isoloir et Malédiction à Tebra, donc délaisse complètement la scénographie traditionnelle et opte plutôt pour une scénographie numérique qui accompagne le comédien et lui apporte plus d'expressivité. Depuis ses débuts, Tawfiq Jbeli ne se répète pas. Chaque nouveau spectacle est une aventure, une œuvre d'agitation délirante qui ne donne pas de sens direct. Le spectacle Malédiction, qui comporte très peu de paroles, a fait couler beaucoup d'encre. Certains étaient sous le charme de cette scénographie numérique, tandis que d'autres n'ont pas apprécié. La pièce nous raconte les événements de la Tunisie post-révolutionnaire, la révolution du jasmin. La scène est épurée, essentialiste et presque vide. Le décor est remplacé par une série de valises qui font office d'écran. La scène est alors semblable à un écran géant dans lequel défilent les images et les effets visuels. Les valises qui suggèrent le départ des malfrats, ou peut-être l'arrivée des profiteurs, vont constituer une multitude d'écrans sur lesquels se projettent les images du chaos du pays. Chaque écran ne réfère à un événement et suggère des faits ou parfois des états d'âme. Quant au rideau qui était accroché au plafond, il va se transformer en une sorte de séparation en lamelles qui va servir l'action et qui isole l'acteur, tels les barreaux d'une prison. Ces lamelles aussi donc, vont servir comme étant une corde, que l'acteur va enrouler autour du cou comme une guillotine. Ces lamelles vont nous traduire le renoncement général à un pays délabré. Ces valises, tout comme les ventouses des boucheurs, portent toute la signification de la pièce. Elles sont à la fois assez symboliques et emblématiques dans la mesure où elles nous réfèrent à nous ceux qui tournent le dos lors des moments critiques. Cette présence intrigue de plus en plus le spectateur. Elle le pousse à réfléchir sur ce que symbolise cet élément en apparence assez anodin, à s'interroger sur son omniprésence sur scène et à chercher des réponses adéquates et plausibles. La présence des valises sur scène est emblématique, sémantiquement chargée. Elle est l'élément porteur du message. Il permet de nous indiquer donc le lieu et le temps de l'action et aide le spectateur dans sa quête continue d'identification. Donc, quelques images, les valises sur lesquelles sont projetées donc, les images et donc, la scène où il y en a les ventouses des boucheurs. Ce spectacle qui propose une sorte d'autopsie de la société tunisienne incite le spectateur à dévoiler la réalité et à réfléchir sur ce qui est exposé sur scène. Il laisse le spectateur face à cette illusion, à ses rêves. Il le pousse ainsi à porter un autre regard sur la société, de plus en plus décevante, et à se poser des questions sur l'avenir, comme par exemple dans la scène où les acteurs essayent de dresser une table sur une planche inclinée et rythmée avec une musique traditionnelle, rythmée par la darbouka. La table est enfin dressée sur les valises, ce qui nous réfère aux différents faits de la révolution. En d'autres termes, le spectateur se projette directement sur les profiteurs qui ont envahi le pays depuis janvier 2011, qui essayent de se tenir debout, de se hisser sur les épaules du peuple et des événements.
De plus, donc, la scène, elle aussi, entre obscurité frustrante et lumière éclatante, donc, puisque la transition entre les actes est violente, accompagnée souvent par des coups de feu, par des sirènes d'alarme qui cadencent l'action, ou des rythmes de musique électro-intransigeante. Avec un texte concis, vraiment bref, Jbel y fait appel au sens et interpelle l'imaginaire du spectateur qui devient en quelque sorte un spectateur, qui comble le vide et participe à la construction du sens, notamment avec des personnages imprévisibles et des actes farouches. Par ces spectacles où le numérique concurrence le verbe, Jbel y annonce-t-il la fin des sonographies classiques et l'émergence d'un théâtre qui consacre ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. Par ces différents spectacles captivants, innovants et provocateurs, quel est le message véhiculé? Ces scénographies attirent-elles le spectateur maghrébin d'une manière générale et tunisien plus particulièrement? Il est à souligner que Tawfiq Jbel hausse la barre de l'esthétique avec ses nouvelles méthodes d'apprentissage théâtral. Il refuse de prendre des rides et fait naître une nouvelle énergie créative. Il cite, je cite, « Cette démarche ne peut se faire qu'avec ceux qui accompagnent de nager en eau trouble », indique Jbel dans sa présentation du théâtre. D'ailleurs, dans les créations qui suivent, comme par exemple l'isoloir, il continue de faire usage du numérique, qui constitue selon lui un outil esthétique et non une valeur artistique. Les formes varient, mais la préoccupation est la même. En effet, le théâtre de Jbel y tourne autour de la crise de l'expression, de la difficulté de lire et de l'impossibilité de communiquer spontanément. Il n'hésite pas à pousser le langage scénique jusqu'à ses limites, à la quête d'un autre sens, ou pour exprimer l'inutilité des choses et l'absurdité de l'existence. Dans ce contexte, la scène représente à la fois un espace de communion et de rupture. C'est aussi un espace qui n'est pas fait pour réconcilier le corps et l'esprit, mais pour que chacun se démarque ou se retrouve. Cet espace met le spectateur face à lui-même, il l'incite à réfléchir, il lui permet de percevoir sa spécificité et sa réalité quotidienne. On assiste alors à une prise de conscience du corps du spectateur. Ce dernier est submergé par ces nouveaux médias qui envahissent la scène par ces objets dont la signification prime. Une nouvelle forme d'interactivité est créée alors. Avec l'image numérique, Jbel établit de nouveaux codes et pousse le spectateur à la réflexion, au partage, notamment grâce à l'éclairage et aux faits spéciaux. En effet, dans la plupart de ces pièces, la scène est presque sombre, l'éclairage est principalement basé sur un éclairage latéral ou un éclairage d'appoint. L'éclairage il est parfois stroboscopique, avec une ambiance bleutée, électrique, froide. En ce qui concerne la scène qui se passe sous une pluie torrentielle, Jbel a eu recours au bruitage intense et à un éclairage en LED. L'intensité se présente alors comme une unité de mesure de la force de l'échange. En égard à son théâtre expérimentiel, Jbel est souvent qualifié d'artiste révolté contre les dérives de son pays. Il tient tant à sa liberté de pensée et d'expression et se voit comme un homme qui refuse de baisser les bras et qui essaie d'agir ou de défendre les causes qu'il croit justes. Pour cela, il a opté sur le jeu amplifié des acteurs avec un texte très bref. Il y a même des moments de silence absolu, ponctués uniquement par les actions des acteurs en transe et les sons explosifs, les sirènes des policiers ou encore un brouhaha inintelligible. Sur scène, on assiste alors à un chaos général qui règne à l'instar du pays. Pour conclure, bien qu'il ait été longtemps pris en otage par la boîte italienne, le théâtre tunisien, au cours des dernières décennies, a commencé à apparaître portant le flambeau du changement et de la révolution, appelant à un spectacle alternatif, fortement audiovisuel, qui s'ouvre à de véritables espaces scénographiques caractérisés par la diversité et l'intermédialité. Dans ce contexte, s'inscrivent les œuvres de Jbel, qui sont une recherche sur le style, un questionnement de l'art théâtral comme langue, comme un moyen de communication aussi et d'expression. Ces mises en scène constituent une sorte de questionnement appelant une multitude de réponses. Ce sont aussi des créations qui ne théorisent pas, mais qui se contentent de mettre en parallèle le corps et la parole avec la réalité et les sentiments.
le spectateur prend conscience de cela dès son entrée. Il a une idée du rythme et du contenu de la représentation avec les voix et les murmures incompréhensibles qui accompagnent son entrée dans la salle. De ce fait, le rôle du théâtre n'est pas d'éduquer le spectateur, mais de lui montrer d'autres possibilités d'appréhender le vécu et de l'inciter à faire une lecture personnelle de ce qui se présente à lui à travers les différentes actions, les objets emblématiques et l'éclairage. Jbeli soulève des questions restées ambiguës sur la vérité des événements douloureux que la Tunisie post-révolutionnaire a traversés, comme par exemple dans la pièce Malédiction, Tebra, qu'on vient de citer, ou L'Isoloir, qui traite la question de l'urne et des élections. Elle pousse donc le citoyen à la recherche d'une vérité qu'il n'a pas trouvée, ni dans les médias, ni dans les cercles politiques. Le spectateur instaure alors une sorte de rapport entre le théâtre et le monde. Il cadre sa perception et coproduit le spectacle. Sa présence justifie l'œuvre. Grâce à son regard, il donne à l'œuvre son justificatif et son caractère. Pour conclure, je vais vous montrer un extrait. من يفعل ماذا؟ من يخرب؟ من يفسد؟ من يخرب؟ من يقول؟ من يحارب؟ من صنع الربيع؟ من فسد الربيع؟ تابعة هي في هذا الإناء في هذا الإناء. حزن فيك شر يشوه وجه الآخرين والآخرين والفرح بهلوان كشف عن وجه الأكثر كذبا حين سقط وحبل صبرك يأكل منه الآخر والآخر تابع هي سؤالات أسئلة مجموعة من الأسئلة هو يقال فلسفيا أنه معرفة السؤال هو نصف الإجابة ووحده لا يكون Merci pour votre attention. Merci.